ici Chantal Laberge, naturopathe, et Christelle. Bonjour Christelle. Allô. On va continuer, c'est la partie 2, parce que la dernière fois, je t'ai demandé, bon, tu nous racontais que tu avais mal mangé lorsque tu étais jeune, puis tu avais eu des excès dans plein de choses. Mm-hmm. La question, c'était comment tu t'en es sortie? Ouais, fait que comment je me suis sortie de la boulimie? Ben, je pense que j'ai été bien chanceuse parce que je suis tombée en amour. Ah ouais? Fait que ça allait tout le temps, t'sais. Puis le gars, il avait un problème aussi, puis il fumait trop de pot, puis il voulait arrêter aussi. Fait que là, à ce moment-là, j'avais 18 ans, ou 10, j'avais 19 ans. Puis lui, il avait 23, puis on était tous les deux rendus à ce moment-là dans notre vie que là, on voulait plus être dépendants de tout ça. Fait que, on arrêtait le pot en même temps. Là, ça, c'était vraiment bon, parce que essayer d'arrêter de manger du sucre, puis d'avoir des tripes de bouffe, puis d'être boulimique quand tu fumes du pot, Moi, ça ne fait pas, je pense. Non, c'est ça. Quand tu fumes, automatiquement, tu peux plus t'empêcher. Il faut que tu manges après. Là, t'sais. C'est pas tout le monde qui est de même, mais à ce moment-là, j'étais de même. Fait que, ben, ça l'a aidé, au fond, que j'arrête le pot. Fait que j'ai réussi à arrêter parce que lui aussi a arrêté. Fait que là, les deux ensemble, on s'est tenus là-dedans. Deuxième affaire, je restais à quelque part que la femme, elle avait un faiseur de jus. Fait que je pouvais me faire des jus avec des légumes, tu sais. Full légumes. Puis ça, ça se cuisinait vite. Ça se faisait n'importe quand, c'était facile à laver. Ça se digérait tellement rapidement, je pouvais pas le vomir. Ah, puis c'est bon. Puis ça me bourrait, fait que j'avais pas faim après. Fait que bref, pour traiter la boulimie, un faiseur de jus, là, c'est vraiment super. Parce que en plus, t'as ta dose de vitamines, de minéraux super facilement, super rapidement. Biodisponible. C'est ça, avec des bonnes choses. Puis comme au début, bon, j'avais de la misère à digérer, c'était sûr, parce que j'étais plus capable de rien digérer. Puis comme on l'avait dit dans la dernière émission, t'avais... Lorsque tu fais de la boulimie, tu vomis. À ce moment-là, tu craches aussi tes enzymes. Exactement. Fait que ta digestion est très difficile. Puis au fond, les jus, ça fait remonter tes enzymes assez rapidement. Fait que je me rappelle, au début, j'avais essayé de me faire vomir ça, puis ça marchait pas. Pas en tout, et rien qui sortait. Wow, ça cassait l'habitude. C'est ça. Fait que j'étais là, ouais, Christelle, bois-en du jus, bois-en. Fait qu'aussitôt que j'avais faim, au lieu de manger n'importe quoi de sucré, ben, je prenais du jus. Fait que j'ai continué même pendant un petit bout. Puis là, j'ai comme recommencé à voir le bon côté de la vie, puis j'étais en amour, puis fait que ça allait mieux. Hein. Puis aussi, où que j'habitais, il y avait des chiens, puis on allait se promener ensemble en nature. Puis je me suis réhabituée à aller dans la nature, à être en communion avec un animal. Puis fait que c'est le faiseur de jus, un animal, puis l'amour, c'est ça qui m'a sauvée, au fond. Bon, c'est bon, ouais. Hein? Fait que puis après, j'ai attendu vraiment, un petit peu, j'ai attendu comme 2-3 mois avant de le dire au monde, ben j'ai été boulimique, puis c'est fini. Je m'en suis sortie. Ça fait 2 ans, puis j'ai pas osé dire à personne. Là, c'est fini. Bon, ouais. C'est génial, vraiment. Parce que c'est pas, comme tu as expliqué, c'est loin d'être facile, être pris dans ce cercle vicieux-là. Ouais, mais après, c'est comme, on peut jamais dire que c'est tout à fait gagné, on s'entend. Okay. Après, au fond, j'ai arrêté de me faire vomir. Ça m'est arrivé d'avoir l'impression d'avoir trop mangé puis d'avoir eu le goût de faire vomir vraiment beaucoup là, puis non faut pas parce que si je le fais, je vais recommencer à le faire tout le temps, tu sais. Fait que, mais depuis ce temps-là, depuis que j'ai comme 19 ans, je pense que je me suis fait vomir parce que j'avais trop mangé peut-être 3 fois maximum là. C'est bon quand même parce que t'as quel âge? Là, j'ai 30. Bon, ça fait quand même 11 ans, ouais, c'est bon, hein? C'est bon, puis tu sais, des fois même, ça paraît à n'importe qui, de comme, tu sais, à un moment donné, j'avais mangé une queue de castor puis j'avais été faire un gros manège, puis j'avais tellement le goût de vomir, tu sais, je veux dire, ça peut arriver à tout le monde de, comme, d'avaler le coup de travers, puis d'avoir... mais bon, c'est sûr que c'est pas une bonne habitude, là. Mais c'est ça, fait que l'habitude de me faire vomir, c'est parti, mais l'habitude de trop manger, par exemple, d'avoir des périodes de, comme anorexie puis boulimie, ça... C'est pas totalement passé. C'est dur à régler, là, mais là, je dirais que c'est réglé à comme, je sais pas, 95%, là. Ça n'a rien à voir avec avant. Hein. Mais c'est bon, dans un sens, ce qui est important, là, c'est de dire que tu règles des choses pas à pas. Ouais. Tu sais, quand on dit dans n'importe quelle affaire, mettons, tu dis, OK, je vais faire de l'exercice, ben, tu dis, OK, si je le fais 4 fois sur 7, 4 jours sur 7, c'est déjà excellent. Bon, ben, dans la bonne alimentation, c'est la même affaire. Puis aujourd'hui, quand même, ouais. Je sais que tu manges des bons aliments crus, ouais. Tu fabriques des desserts santé. C'est ça. Avec du cacao cru, j'en ai goûté de tes affaires, c'est excellent. Ouais, c'est ça. J'ai vu le livre Décrocher du sucre, je pense que c'était en avril. Puis c'était à la bibliothèque, j'ai décidé de le prendre. Je me suis dit, ça changera pas ma vie, c'est sûr. J'ai plus de problème avec le sucre, moi, de toute façon, tu sais. Puis là, ça disait, décrocher de tout ce qui peut vous donner des problèmes intestinaux, au fond. Ça disait la levure, la farine, en tout cas, plein de l'alcool, puis tout ça, fait que, juste pendant une semaine.
Puis après, dans une semaine, réintégrer tous les aliments un par un, puis vous allez voir comment vous filez. T'sais. Qu'est-ce qui vous cause des problèmes dans votre corps? Là, je me suis dit, bon, une semaine, c'est rien. T'sais. Fait que j'arrête le sucre pendant une semaine. J'arrête, genre, je pense qu'il y avait les lentilles, la farine blanche, l'alcool, puis tout. T'sais. Bon, ça a été un petit peu dur au début. Finalement, ça a duré comme un mois que j'ai tout arrêté ça. J'ai recommencé à mettre, je pense, la farine blanche, du gluten. 2 mois plus tard, ça ne m'a pas fait grand-chose. J'ai senti que ça passait. C'était pas super bon pour le corps. Mais bon, pour moi, c'est pas si pire. Mais le sucre, là, c'est horrible. Là, je me suis dit, OK, j'avais vraiment un problème. OK, fait que c'est comme ça que tu l'as arrêté. Ouais, c'est ça. Là, que j'ai arrêté de manger du sucre raffiné. Ouais, c'est super. Fait que tu me dis à nouveau le titre du livre. C'est Décrocher du sucre. Bon, c'est une super référence. Fait que merci beaucoup, Christelle, de ton témoignage. Bien. Bonne santé!